remplacer tout simplement par le poireau. On va récupérer le verre, on hache grossièrement. On prend les verres de poireau, on les met au mixeur avec de l'huile de tournesol. L'idée, c'est de mettre de l'huile jusqu'à hauteur. Ça veut dire qu'on va mettre à peu près le même poids en huile qu'en verre de poireau. Et on va mixer ça pendant 8 minutes. Alors attention, cette recette, on peut la faire si et seulement si on utilise des poireaux bio. Parce que si vous achetez des poireaux qui ont été traités en agriculture industrielle, vous allez manger vraiment tous les produits chimiques qui sont directement sur le légume. On va passer ça au chinois. L'idée est de recueillir juste cette huile verte. Et ça, c'est super bon, ça a un goût. Hein. On va utiliser cette première peau comme une papillote naturelle que vous auriez jetée si vous les aviez nettoyées, quoi qu'il en soit. On enfourne ça et on lance à 20 minutes à 240 degrés. Là, ici, ce matin, j'ai aussi chopé des betteraves sur le marché. Donc, on va les enfourner. On va faire tourner le four une seule fois pour cuire des produits pour 2 jours. Maintenant, le poisson. Quand vous allez chez votre poissonnier, 3 critères, 3 points à demander. Le nom complet du poisson, où il a été pêché et dans quelles conditions il a été pêché. Là, on a du Micromésistus putassu, en l'occurrence le merlan bleu. L'idée n'est pas juste de me ridiculiser en parlant latin, c'est d'être sûr que c'est un poisson qu'on peut consommer maintenant sans forcément impacter trop sur la survie de l'espèce. Quand c'est noir et que ça fume, c'est que c'est cuit. Le four est encore chaud. On va utiliser l'inertie du four, la chaleur qui est encore dans le four, sans utiliser d'énergie, pour continuer à cuire et les petites betteraves qu'on avait mis tout à l'heure, et le poisson. On utilise la même plaque, on met le poisson, juste un peu d'huile de tournesol encore, et on va mettre ça 1 à 2 minutes au four. J'ouvre le poireau, je prends le cœur, je le taille dans la longueur, ce sera plus facile à manger. J'assaisonne maintenant, juste un peu de fleur de sel. Alors je coupe le filet de poisson en deux. On met les feuilles de poireau dessus. Le pourpier d'hiver. Et on termine là avec l'huile de verre de poireau qui va venir lier tout ça. On n'a utilisé aucune épice. C'est un plat qui est ultra aromatique. Pas besoin d'utiliser des herbes qui ont voyagé.